Dès son invention, était utilisé à des fins de recensement, tout comme les moines ont recopié des livres durant le Moyen Âge. Plus tard, l'invention de l'imprimerie a démocratisé la lecture. C'est ce que l'invention du disque phonographique a fait pour la musique. Pourtant, ce n'est qu'avec l'apparition des premières stations de radio que la musique a réellement pu s'étendre au grand public. C'est ainsi une combinaison de plusieurs technologies apparues au début du 19e siècle qui a permis aux disques en cire de devenir indispensables au quotidien. L'industrie du disque, quant à elle, explosera avec l'arrivée des premiers disques de blues qui déchaînèrent les passions. Je suis entrée à la radio avec l'avènement du CD. On est en train de passer, en même temps, de la machine à écrire mécanique à l'informatique pour le catalogage, et on a passé du vinyle au CD. Et parallèlement, ben, toutes les émissions étaient enregistrées à ce moment-là sur bande magnétique. Jusqu'en 56, à peu près, les émissions elles étaient enregistrées sur disque. Voici typiquement un de ces disques formé d'un matériau composite. Il était courant de mélanger d'autres éléments à la cire pour la rendre plus solide, plus durable. Il date de leur apogée, soit de 1935 à 1945. Donc les archives, c'était des piles de disques en cire qui étaient dans des boîtes de films, le même type de boîte que les boîtes de films, qui étaient conservées comme ça verticalement dans les armoires. Et ces disques, quand on recherchait des très anciennes émissions, toutes n'avaient pas pu, à l'époque, être recopiées sur des supports modernes. Et puis, du côté des archives, on avait passé de la bande magnétique, on commençait à passer sur des petits disques, des supports qui étaient du numérique, évidemment. Et donc là, il y a eu une période où ça a changé extrêmement rapidement, dans le fond, et où la durée d'un type de support est devenue de plus en plus courte. Et peu de temps après, on a passé au tout électronique, et puis... Aujourd'hui, il n'y a plus un support physique qui sort d'une émission. Tandis que la course à l'armement technologique bat son plein, nombreux sont ceux qui utilisent celles déjà disponibles afin d'en expérimenter les limites. Dès les années 50, une nouvelle énergie s'éveille, la musique électronique. Laissant derrière elle les instruments électromécaniques classiques, elle s'affranchit des limites physiques qui existaient alors pour atteindre des valeurs jusqu'alors inimaginées à l'aide d'émetteurs de signaux, de compresseurs et d'amplificateurs. Cette approche minimaliste se répercutera au travers des générations et déboucha sur la création de plusieurs styles musicaux qui marquèrent leur époque. Ces genres à part entière définissent maintenant plus que jamais le paysage musical. Tandis que la
cassette touche déjà un très large public, elle s'assure une place dans la course multimédia jusqu'à la fin du siècle grâce au Walkman, qui fait lui son apparition sur le marché en 1979. C'est peu après, en 1983, que le CD, premier avatar du MP3, abreuve à son tour un marché destiné à un large public. C'est dans ce contexte d'innovation constante où les différents formats de musique avaient de moins en moins de chances de durer que le hip-hop redonne ses titres de noblesse au disque vinyle grâce au DJing. Alliant savoirs ancestraux et technologies de pointe, le DJ utilise son lecteur de disque vinyle comme instrument de musique et son micro pour captiver son audience. C'est ainsi que dès la fin des années 80, le hip-hop devenu très populaire préserve le vinyle qui se vend surtout d'occasion dans ces gigantesques foires où il est bradé. Toute une génération redécouvre ainsi les classiques de nos grands-parents et les utilise comme base pour créer cette nouvelle vague de musique digne héritière du blues. L'ouverture en 1995, explosion totale du DJing en France, voire dans le monde. DJing, scratching, grâce au hip-hop et au techno. Donc le vinyle, il est encore là. Moi j'ouvre mon magasin à ce moment-là, je sens le courant. Ici, on fait la queue tous les mardis, les nouveautés arrivent des États-Unis ou d'autres pays, et les gars font la queue devant mon comptoir, là, et hop, tac, et toutes mes nouveautés étaient ici, sur le comptoir. Et donc, et puis moi, j'ai deux platines derrière, donc j'envoyais les disques. Donc en 95, il y avait un engouement sur le vinyle, et sur le DJing surtout. Alors que la musique électronique, des débuts, transformait des machines, souvent prédestinées à d'autres usages, plusieurs mouvements ont, dès l'apparition des ordinateurs, pu s'appuyer sur des instruments qui leur étaient propres, des sampleurs tels que les SP-1200 et les MPC-60, du matériel qui reste analogique, ont ainsi révolutionné la création musicale des studios d'enregistrement jusqu'à la scène live. Ils sont encore aujourd'hui très prisés, et ce, 30 ans après leur invention. Donc tout le monde avait envie de de platine, on n'est pas forcément musicien, donc avec des platines, tiens, on peut faire quand même un show, on peut faire danser des gens, on peut se faire plaisir. Voir après d'autres qui composaient, puisqu'ils avaient acheté des sampleurs, etc., des appareils pour échantillonner donc la musique qu'il y avait dans le disque pour refaire un autre morceau. Cette période-là, que j'appelais Eldorado, cet Eldorado était duré jusqu'à 2000-2001. Après, bon, on a eu l'arrivée de l'euro, pas mal, donc là on commence à passer dans les choses modernes. À partir de ce moment-là, il y a une espèce de tournant musical aussi qui arrive avec l'électronique, les machines, les ordinateurs surtout, l'informatique qui arrive en force. Et là on nous dit, voilà, on veut plus de support. Donc plus d'instruments de musique, plus de platine vinyle, plus de platine CD, plus rien. Alors après il y a un petit déclin, qui arrive aussi avec un déclin de côté musical, puisque la création elle devient un peu bizarre. Ça veut dire qu'il n'y a que des mélanges, et ces mélanges deviennent de plus en plus top 50 et électroniques. Quand je dis top 50, ça veut dire à but commercial, pour essayer d'atteindre le maximum de public, ce qui veut dire que ça peut être très bien mémé qu'à 70 ans, comme le petit jeune qui a 12 ou 13 ans, qui sont quand même une clientèle quand même qui achète normalement des disques, qui aujourd'hui vont acheter des MP3, et téléchargent gratuitement en général le MP3, puisque on nous a fait acheter des ordinateurs pour avoir justement la musique gratuite, des livres et de l'image gratuite. Donc ça, c'est le gros problème. Donc on a commence à avoir un déclin sur la vente des supports, donc surtout le vinyle d'abord, puisque la plupart des gens sont plus équipés. Parce que dans les années 80, on les a fait remplacer par la platine CD, un seul aimant par famille. Donc un élément par famille, ça veut dire que tout le monde a le budget de pouvoir s'acheter une platine CD. Et on jette à la poubelle ou on la met dans la cave, la platine vinyle. Donc après, dans les années 2000, on a acheté un ordinateur et on veut jeter la platine CD et la platine vinyle pour ceux qui restent encore au vinyle. De 2006 à 2009, c'est la période creuse, macabre pour tous les disquaires qui existent dans le monde entier. Les magasins ferment un par un, le réseau internet se met en route, le particulier, le professionnel se met à vendre sur la boutique en ligne, donc une boutique virtuelle. Mais les boutiques physiques disparaissent parce que bon, les charges sociales, patronales, loyer, transport, le support, etc. Ça devient un peu embêtant pour le particulier qui lui prend une habitude d'être en short à 3h du matin ou en slip, comme on veut, et à taper sur son ordinateur pour aller chercher des disques. Qui n'est pas mauvais parce qu'on va dire que la culture continue quand même. D'accord ? Sauf que les magasins de disques là commencent à souffrir parce que justement les gens ne viennent plus chercher le conseil, ils ne viennent plus voir les nouveautés, ils le font directement sur internet. Donc ça, c'est le gros problème qu'il y a entre, on va dire, de 2006 et 2009-2010.
Alors qu'une recrudescence certaine de l'intérêt porté au disque vinyle fleurit durant les années 90, cette passion s'exprima moins dans les ventes que dans l'influence que ce média a eue sur la nouvelle génération de producteurs-compositeurs. La disparition du disque vinyle de la sphère médiatique peu après le passage au XXIe siècle est soudaine. C'est néanmoins une industrie tout entière qui reste marquée par ce son si caractéristique. 10 années bouillonnantes, résurgence d'une gloire dépassée qui a influencé le monde entier. Toile de fond, la mode qui évolue très rapidement au rythme effréné de la technologie. I remember when I was a little kid even coming into the shop and it was, you know, it was all CDs for a while there. I mean, we never got rid of our vinyl, but it was, you know, in terms of sales, it was such a huge majority of it was CDs. And then, you know, I'd say what kind of stopped a lot of it would be when, you know, iPods and MP3 players started kicking around because, you know, all of a sudden you have all these CDs on the shelf and it's like, well, you either have an option of carrying a Discman and like a huge thing with all this music, or you can carry a small thing and have like 100 times what you'd have with you. But because of that, the sound quality's way worse. So people are thinking, okay, well, you know, when I'm out and about, I'll listen to this. But when I'm at home, you know, I want to hear something that sounds good. So, you know, if I'm going to buy something, I'm not going to buy the thing that just goes on a shelf after it's on the computer. I'm going to buy the thing that, you know, goes on a shelf and gets listened to. L'arrivée des baladeurs révolutionne l'écoute de la musique, si bien qu'aidé du MP3, il a terrassé tous les formats connus, et c'est bien ce qui favorisa le retour de celui que personne n'attendait, mais aussi celui qui reste le plus authentique et le plus chaleureux, le disque vinyle. Dès 2009, un marché de niche évolue ainsi très rapidement grâce à Internet et la distribution indépendante. Dès 2015, les chiffres montrent des ventes supérieures à celles qui prenaient place en 1995. Our label, in general, we love the fact that buyers ask for vinyl records instead of digital or CD. CD isn't going anywhere, neither is cassette. Cassettes, most people are getting back into cassettes. Cassettes have a niche culture of limited runs of 100, less than 100 copies, and vinyl is around 500 to 300. But us as a label, we really think that 1,000 copies is right around where you want. And the numbers suggest over the last couple of years that it keeps going up and up. Like, just based on 2012 numbers, sales have gone up at least above 40%. And each year, it just keeps going up and up and up and up. With the top selling records, mainly in the rock genre, and independent rap is somewhere in that top 10 as well. And now it's hard to distinguish what numbers are, where they're coming from, because you have days like Record Store Day, which is April 20th of every year. And independent shops who don't tally in. Depuis bientôt 30 ans, la relation qu'entretiennent les artistes avec les acteurs indépendants n'a jamais été aussi importante, et ce, de la promotion à la distribution. Alors que les ventes tendent à la baisse, les majors fusionnent et s'accaparent un maximum des parts du marché, imitant les revendeurs indépendants de disques neufs comme d'occasion, qui ont lutté afin de préserver l'accès à ce média. Ils se diversifient, mais cette fois agressivement, allant de la réédition de luxe d'albums classiques à des modèles high-tech de lecteurs, en passant par des applications et sites e-commerce dédiés exclusivement à cette renaissance. Le tout sous les apparats les plus nobles, alors que c'est bien eux qui avaient mis les disques vinyles au rebut. C'est donc plusieurs générations qui trouvent ensemble une utilité à promouvoir le seul qui peut se targuer d'être parfois un objet vintage rétro juste assez cher, pour d'autres un souvenir ancré dans une symphonie disparue, des fois un objet de création infinie et pour certains encore un album connu par cœur que l'on reprend enfin le temps d'écouter dans l'ordre. Ma
magasin qui permet justement de découvrir beaucoup de musique qui en fait qui n'est pas forcément mis au top 50 ou à la télé ou dans certaines radios. Donc cette musique là elle existe. Je travaille beaucoup avec des labels indépendants. Et toute cette musique qui ne sort pas forcément comme un des mortels, bon, qui est un peu distribuée sur internet vite fait, mais bon, quand on n'a pas 10 millions d'euros pour promotionner, c'est un peu difficile. Ben voilà, moi je suis là pour ça, donc je suis là pour distribuer surtout du vinyle. La fameuse galette, puisque en fait tout le monde revient à ça. Voilà par exemple, c'est superbe. Voilà, en 180 grammes, on n'a pas peur, hein, voilà. Donc aujourd'hui on a plein de labels indépendants et d'artistes indépendants qui fabriquent toujours du vinyle. Le MP3, c'est bien de l'avoir dans un premier temps rapidement, c'est juste pour un titre promotionnel. Mais c'est comme un bon verre de vin. On le boit pas dans un gobelet en plastique blanc. Hein. Le bon verre de vin, c'est dans un verre en cristal. Et chez moi, c'est le verre en cristal. Voilà. Donc moi, les disques, c'est un peu comme ça en fait. C'est un sens. Moi, je touche la partie mécanique de ce disque, ce qui me permet de faire du scratch, par exemple. Donc, on transforme sa platine en instrument de musique. Donc ça, je trouve ça génial. Très simple, je reste avec des vinyles SP1200, MPC60, MPC3000. Je suis ça, des vinyles, un peu de clavier, micro-cork, ça suffit pour faire vraiment du bon rap. Je trouve que le Serato ça dénature un peu le DJ quoi, du fait que ça soit des MP3, que les mecs puissent se faire des playlists avant. Pour moi un vrai DJ c'est un mec qui mixe sur vinyle, point barre. Je scratchais sur des cassettes, parce que j'avais qu'une chaîne IFI avec des cassettes. Voilà, je mettais des cassettes et puis je scratchais sur une platine, c'était assez drôle. Le Serato est un programme informatique simulant l'interaction qu'a un DJ avec ses platines. Forcément, on n'a pas toutes nos instrus pressés sur vinyle, donc elles sont dans l'ordinateur, et puis le Serato, il est vraiment utile pour ça, quoi, pour faire les concerts. Le Serato, on peut l'utiliser aussi en studio, par exemple. Le bruit de ça, voilà, on l'enregistre, on le met sur le Serato, on le scratch.